Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo réalisée par MiniZ2000 pour le forum ETS2 FrenchMod. Donc là, comme vous voyez, mon camion, on va... excusez-moi, j'ai bugué. Encore, je suis pas encore habitué. On va faire montrer mon camion. Je l'ai fait un peu tuning. Oui, il faut bien. Même j'ai mis un mode, c'est garage expansion avec mon propre skin. Je sais pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas le voir, mais voilà mon camion. Alors, feu de route, feu de croisement, feu de route, ouais, excusez-moi, feu de position, feu de croisement, feu de route et gyrophare, rampe de calandre et rampe de tour. Donc on va y aller. Donc là on va aller, on est toujours à Poitiers. J'ai fait un peu de route offline parce que je voulais un peu, mais toujours dans la même route qu'ils étaient. Ouh, j'ai bugué là. Ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Ça commence bien. Oui, donc j'ai fait un peu de route offline comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit il y a quelques secondes, j'ai toujours fait Poitiers-Le Mans, Rouen, parce que je voulais un peu débloquer un peu de performance au niveau moteur. Donc là, nous allons prendre une mission à Poitiers, toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai réalisé un skin Paris. Non, pas Poitiers. Non, c'est un peu loin parce que j'ai pas beaucoup de temps. Pour faire la vidéo, il y a du, mes parents qui vont revenir. On va faire, allez, on va se faire un petit Poitiers-Angers. Ça vous dit? Poitiers-Angers, donc ça veut dire qu'on va aller là, on va aller là. Et si j'ai un peu de temps, on pourra en faire une de ici. On pourra en faire peut-être une deuxième. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est bien. Le gros faille, je parle tout seul, genre mon accent qui me répond. Donc là, on va transporter des pommes de terre de écr à Créate, bonne question, parce qu'il y a un petit souci, texture, mais ça c'est pas trop grave, ça va être résolu prochainement par l'équipe de ProMod. Au fait d'ailleurs, je passe un petit bonjour à Gwen, le réalisateur de ce secteur de France, et ainsi à l'équipe de la ProMod pour le reste de la map. Bien sûr, toutes les vidéos que je vais faire en enregistrement, ils seront basés que sur les villes réalisées par l'équipe ProMod, ce qui veut dire Nico, etc. et Scrob, bien sûr, et Gwen, alias Kuchen. D'ailleurs, je te le dis encore et encore, je te le répète souvent, mais tu fais du très bon travail. C'est la seule map que j'ai testée qui a aucun problème. Mon jeu ne plante pas. Donc, on va y aller, définir destination. On va. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de bug important. Ce qui est bien. D'ailleurs, je vais vous faire montrer si j'ai un peu de temps avant que les parents reviennent. Le garage. Ça commence. Hein. J'ai pas encore l'habitude de parler en conduisant, c'est ça le truc. Bon, d'accord, lui, on va aller là. D'ailleurs, Kangoo, il est très bien. Si vous voulez, je vous passerai. Je crois que je l'ai posté sur le forum, le mode que j'ai trouvé. Allez, ma cocotte. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, j'ai réalisé un nouveau skin ce matin. Il est en préparation. D'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir le voir dans le jeu. C'était bonne question. Réel, je ne sais pas. Et je l'ai mis sur le dépôt Trado. J'espère qu'il va vous plaire.
La bande cyclable, c'est pour qui? Bordel. Donc là, on y va. On va rétrograder en sixième parce que ça le fait pas. D'ailleurs, pour ça, j'adore. Ils ont fait des petits passages non bloqués pour qu'on puisse visiter. Magnifique. Je passe un bonjour à Gwen, à Olytrans, à Olivier, alias Olytrans, Truckmaster, Nico, comme d'hab, Skinner du forum. Je fais un petit coucou à mon ami Erwan. J'espère que tu vas te reconnaître dans la vidéo. Ensuite à Julien. À tout le monde, quoi. Donc, franchement, elle est très belle cette map. Yo! Wesh! J'ai réagi un peu trop tard. Je remercie Truckmaster et Gwen, alias Kuchen, de son avis dans la vidéo, la première vidéo. Par contre, je vous préviens, il n'y aura pas des vidéos tous les jours. Il y aura des vidéos quand je serai seul. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, nouveau. Je suis désolé au fait pour les petits bugs vocaux que j'ai eu dans la première partie. Eh oui, hein, débutant. Je fais un petit coucou aussi à mon gars à Galax. C'est lui qui m'a donné envie d'essayer. D'ailleurs, je le remercie parce que ses vidéos m'ont plu. Et c'est moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je peux essayer. Hein, ça coûte rien. Et là, je me suis dit, allez, on se lance dans l'aventure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, hein, c'est un peu compliqué. Ok, d'accord, il me fait faire un demi-tour, lui. Et c'est pas facile de conduire en parlant. Je vous le dis. Hein. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai pas le permis poids lourd. Mais j'adore les camions maintenant depuis un moment. Depuis que je me suis mis dans le jeu, ça m'a donné envie d'aimer les camions. Et je dis au fait, je passe un bonjour à tous les routiers. Tous les routiers français, étrangers, poids lourds. Alors je vois que c'est un métier difficile quand même. Et je leur tire mon chapeau. Vous faites un très bon métier. Qu'est-ce que je... excusez-moi. Un peu fatigué. Parce que je viens de me taper 5 km à pied, ça fatigue. Hein. Là, j'ai pas mis le clignotant. Par contre, ça peut couper à n'importe quand. Parce que comme je vous ai dit, il y a du monde qui va venir revenir. Alors, j'aime pas trop parler quand il y a du monde. Franchement, elle est très belle. Elle est très bien faite, cette map. Elle n'est pas chargée en décoration. Il y a juste ce qu'il faut. C'est très bien. J'adore. On va passer de vitesse un peu. D'ailleurs, Gwen, si tu me regardes dans la vidéo, dans cette partie-là, il y a des petits bugs. Je te le dis à toi en vidéo parce que je sais pas trop l'écrire, je l'avoue. Il y a des petits, il manque des textures. Il y a des petits panneaux où il y a marqué en rouge texture. Et il n'y a rien. Donc, comme ça, tu le sauras. Je te le dirai pour que tu vois ce que c'est les problèmes. Je passe un bonjour à, surtout un bon grand bonjour à Oli Trans et à Truckmaster et à toi, Glenn.
J'adore ce que vous faites et je m'investis beaucoup avec vous. Je veux que le forum dure. D'ailleurs, je passe un petit en mercredi. J'ai oublié de prendre la sortie. Alors là, c'est 50. J'adore. Les petits trucs comme ça, c'est cool. Pondu un peu brutal, hein, désolé. Hein. Donc, on va prendre la remorque. Ok, d'accord. Est-ce que j'aurai le temps? Il y a un petit imprévu. La remorque assez borée. Bon, on va changer de trajet. Hein. Lorient ou Rouen? Allez, 500. 400. Bonne question. Bah allez, on va se faire Poitiers, Rouen. Ça change. Jamais fait encore, Rouen. Donc là, on va tra On va transférer, on va transporter un tractopelle. D'ailleurs, la première partie, j'ai mis beaucoup de temps à la mettre sur YouTube. Je suis désolé. Parce que il m'a fallu quand même 2-3 heures hein, pour l'upper sur le YouTube. Et ouais. Ce qui est dommage aussi, c'est que j'ai cherché le mode, j'ai pas trouvé. C'est qui rajoute des personnes qui décharge par exemple, je sais pas, moi on prend une remorque ouverte. Ah, mon mode il marche, le mode que j'ai trouvé qui est un mode qui par exemple on a une remorque ouverte, enfin bâchée, qu'on puisse appuyer sur un bouton et on peut le débâcher. Ça, c'est dommage qu'il n'y a pas le mec que je viens de vous parler. Franchement, je serais le faire. Je le ferai pour la communauté de TS2 parce qu'à la base, un jeu c'est une communauté, c'est une genre de c'est une famille à peu près. Et ça qui j'aurais voulu faire pour la communauté de TS2. Au fait, d'ailleurs, en parlant de communauté, je vais vous tenir au courant par vidéo et par écrit sur le forum du multijoueur. Parce que je suis l'équipe à fond, je la suis. Chaque live qu'ils font, je le regarde avec eux, je le regarde, ce qu'ils font. Et à ce que j'ai vu, ça va être énorme. Ils ont fait des tests de remorque, des tests, ils ont pris une remorque à livrer. Avec plusieurs joueurs en ligne de l'équipe ETS2, ETS2 MP, multijoueur player. Et franchement, ça va être énorme. Ils ont travaillé sur les. Ils ont travaillé sur quoi? D'ailleurs, bonne question, j'ai oublié. J'ai un trou. Après, quand j'ai un trou, je préfère pas le dire. Et putain de mercredi, j'ai oublié, en plus je me la tchoumé, excusez-moi. Oui, ils ont travaillé sur les collisions apparemment. Ils ont activé les collisions pour faire un live, ce qui est bien.
Ensuite, ils ont travaillé sur les accessoires. Ça veut dire on peut équiper nos camions tuning, en tuning, quoi, on peut les tuner. Et on peut rouler ensemble. Ça qui est bien. Ensuite, ils ont trouvé une fonction chat pour parler en écrit. Ce qui est bien. Non. Ils font d'ailleurs un très bon boulot. Il faut leur laisser le temps. Ça sert à rien de vouloir tout de suite et que ça déconne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, c'est mon avis. Pour avoir un bon truc stable, stabilisé, opérationnel, bien, il faut prendre le temps de le faire. Comme je dis souvent, la terre n'a pas été faite en un jour. Voilà, comme je vous ai dit pour le mode là, vous savez qu'il y a des véhicules qui déchargent. C'est cette remorque qui est en face que je voudrais que ce serait bien qu'on puisse prendre une option, appuyer sur une touche et on prend le contrôle de la grue et on décharge. Au lieu de se garer, on se gare en travers et on décharge. Je pense que c'est possible avec les modeurs qui nous font, ils nous font des modes super. Je pense que c'est possible. Moi, c'est mon avis. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, hein, chacun son avis. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, on va couper hein, parce que le mec il avance pas. J'ai failli me le prendre en plus. Je préfère pas me le prendre et franchir une ligne continue. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Feux de route, faut les enlever quand il y a une voiture qui arrive, non? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? D'ailleurs, au fait, si le truc master, tu regardes cette vidéo, j'ai un petit message à te passer. C'est que ça, j'ai un petit projet pour le forum. Je sais pas si c'est possible. Je pense que c'est possible. C'est de faire un TS le jour que le multijoueur sort. Ce qui veut dire que par exemple, on va en ligne, on joue en ligne ensemble, par exemple toi, moi, Gwen et tout, on puisse parler sur TS en même temps, ou en même temps que se voir en jeu. Je pense que c'est une bonne idée. Ah, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, j'ai pas beaucoup de. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de. Le feu rouge. On va couper le moteur. C'est mieux. Oh oui, en fait, j'ai une autre petite question. S'il y a des modeurs français qui regardent ces vidéos ou étrangers qui comprennent bien le français, j'aimerais envie de savoir, est-ce qu'il y a un modeur qui compte prévoir une sortie d'un mode? Si vous avez mieux, c'est le GPS qui se trouve d'habitude là, dans le petit carré. Qui se trouve là à droite, à gauche du rétro, et on lui rajoute une option vocale. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, je sais pas moi, voilà, là il faut que je tourne à droite à la prochaine. Vous êtes d'accord avec moi? À gauche, excusez-moi. Et ben quand il faut tourner à droite, le GPS dit à la première intersection à gauche, tournez à gauche. Ça serait bien. D'ailleurs, je crois que le téléphone il sonne. Je crois, je suis pas sûr. Ça serait bien d'avoir un GPS vocal en même temps que là on tourne normalement. Ouais. Ça serait bien. Il y a de bons petits modes qui seraient, je pense, qui seraient bien. J'ai des petits modes en tête, mais je pourrais pas les réaliser moi parce que j'ai pas les compétences, malheureusement. Oh. J'aurais bien voulu les avoir. Je vous ferai de charruer les compétences, je vous ferai des très bons modes.